Salut tout le monde, c'est Axel Epo, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V pour découvrir le nouveau DLC. Je viens de recevoir un email hein, de la part de Solomon. Je suis Monsieur Richard. Oui, le gros Monsieur Richard. Mon bureau a été cambriolé. Mes avocats sont en train de motiver la police à retrouver le coupable, mais nous savons bien que les polices ne sont même pas capables de trouver le trou d'un beignet. Ok. Déjà, ça commence bien la blague. Un cas comme celui-ci demande une certaine finesse. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à lire. On m'a dit de m'embrasser à vous, de m'adresser à vous, de m'embrasser à vous. du coup, où est-ce que j'en étais? Commencez par venir à mon bureau. Ouais, ok. Je croyais qu'il y avait encore une suite pour la phrase, mais bon. Ouais, je suis arrivé devant son bureau. Il est plus très loin. C'est là où il y a le tournage de cinéma, hein, de film. Je vais pas aller plus loin. Pas aller plus loin. Ah. Il y a deux flics. Ils parlent pas du tout. Ils sont en train de piétiner le lieu du crime. Aller dehors. Ah, il y a un truc là-bas qui brille. C'est quoi ça? Rapporter l'accessoire de fibre seulement. Ok. Bon, le mec, il a dû perdre GT, ça ne l'intéresse pas. Accessoire rapporté. Ah, ça vaut 10 000 dollars. Ok, bah c'est bien ça. Donc il y en a 1 sur 10. Donc il y en a 10 en tout. J'imagine que c'est pas la mission principale. Hein. Et du coup, comme j'ai pas d'indice, ça va être un petit peu compliqué de trouver les 10 en même temps. J'essaie quand même de trouver un ou deux. Enfin, j'ai déjà trouvé un. Deuxième maintenant. Et à mon avis, c'est pas ça la vraie mission. Alors, ça va être quoi ici? Je vois un point bleu. Je vais avancer tout doucement. Alors, est-ce que c'est un indice ou c'est quoi? Je vais les écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les cambrioler? C'est pas du tout. Ok, je vais les éliminer. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voler leur véhicule. Et là, ça doit être l'indice là. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Et puis, je découvre petit à petit. C'est bon, je suis arrivé. Alors, combien est-ce que je vais être payé? Parce que je suis piégé, je ne sais pas du tout. 10 000 dollars, ma putain. Ouais, ça va, ça va. En tout cas, il n'y a rien à se plaindre. C'était pas dur comme affaire. Tuer deux mecs et récupérer. En tout cas, d'après ce que j'ai connu jusqu'à présent, ben, c'est pas très difficile à faire. Je vais chercher d'autres pièces. La deuxième pièce, il doit se retrouver dans les toilettes. Ah, j'ai trouvé. Donc, il est là. C'est bon, j'ai trouvé. Ah ben, il faut chercher loin. Hein. Il faut vraiment chercher loin.
J'ai trouvé parce que je vous avoue que j'ai triché un petit peu. Regardez les vidéos. Et maintenant, bah, il reste deux. Enfin, il reste encore 8 pièces à trouver. Maintenant, je vais voir mon bateau parce que tout à l'heure, j'ai reçu un appel de la part du commandant. Je vais voir ce qu'il va me dire. Ah ouais, j'ai failli oublier qu'à chaque fois que j'ai une pièce, parce que là j'ai vu sur la carte que y a ce logo qui brille, donc à chaque fois que j'ai une pièce, normalement ça devient jaune. Enfin, je vais voir ça. Mais normalement, à chaque fois que j'ai on récupère une pièce, il faut ramener à son lieu. Et encore 10 000, hein, bah, je vais être riche à force, hein. Je vais être très très riche à force. 10 000 par-ci, par-là, c'est bon. J'ai déjà 30 000 en 2 missions, enfin en 3 missions. Récupération des pièces et livraison de la coque. Maintenant que j'ai livré la deuxième pièce, bah, je vais voir vraiment mon bateau, enfin mon yacht. Ah, ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans mon yacht là. Ça fait comme si, ça fait presque bizarre. Alors, je vais aller voir le commandant, qu'est-ce qu'il a à me dire. Voilà, monter sur la passerelle B et accéder à la cabine du capitaine pour participer à la mission du yacht Luc. Ok, depuis le temps qu'on attend hein, la petite mission, pas une grosse mission. Appuyer sur pour démarrer. Bon, tout bien réfléchi, je pense que je vais faire une autre vidéo hein, parce que. Une autre mission à faire, une mission à découvrir, on va dire. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose qui est impressionnant. Bah, je verrai ça par la suite, hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez surtout pas de cliquer sur like et de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!